coup, c'est un de mes animaux totems, l'araignée, quand j'ai fait la Vision Quest chez les Choctaws, Choctaw, en Oklahoma, en Oklahoma. Parce que pendant la Vision Quest, il y avait plein de moustiques. Puis je m'étais endormi la nuit, et puis le matin, il n'y a plus de moustiques. Bon, ouais. Puis je vois que derrière moi, parce qu'on met des petites branchioles, et puis avec les petits tobacco ties, bon, on a un cercle sacré, tout ça. Et puis, juste derrière ma tête, j'avais une araignée qui avait construit une grande toile d'araignée pour choper les moustiques. Donc c'est un de mes animaux totems. Voilà. Mais ça, c'est des forces spéciales. Mais on lutte aussi contre les arachnides dans l'espace de quatrième dimension. C'est pas la même chose. C'est pas du pareil au même. Bon, on est en pique-nique là dans l'été indien. Ah non, l'été indien, il n'y a pas d'été indien. Ah non, c'est froid là. Non, parce qu'en été indien, ils nous l'ont niqué là. Comme ils ont niqué l'été normal. Voilà. Mais ça, c'est HARP, ça, qui fait ça. Oui. Parce qu'il y a besoin de bouger les nuages pour qu'on ne voit pas les chanterelles qui tombent, les champignons là. Parce que dans les chanterelles qui tombent, ben, il y a plein de bonnes choses maintenant. Il y a des produits pour mieux assimiler les oursins qui tombent. Oui, parce qu'ils envoient des oursins aussi dans le ciel. Ah, oh, bah oui, il n'y a pas qu'avec les vaches hein, qui vous refilent des oursins. Non, non. Les oursins. Oui, les oursins. Cruchot! Ouvrez-moi cet oursin! Ah ouh, ça pique! Ben oui, ça pique les oursins. Ben oui. C'est pour ça ils envoient des oursins et puis ils envoient aussi des produits pour qu'ils puissent rentrer dans tous vos orifices. Non, pas là, ça c'est un test en Chine, ça là. Non, non, c'est autre chose. Attendez, on va finir notre petit pique-nique là, dans la montagne où il fait fraîchement frais, ou pas. Et un automne pas indien. Peut-être qu'il va revenir, mais on en aura peut-être 15 jours. Peut-être. C'est pas mal ça. Bon, c'est bien d'avoir les vrais, hein. Dans les bonnes boîtes là. Mais enfin, on fait avec ce qu'on a. Hein. Ben oui. Ça, c'est très bien pour piquer les fesses aux oursins. Oui. Pourquoi les oursins, ils ont des fesses? Moi, je sais pas, moi, j'ai jamais mangé d'oursin. Je mange pas des animaux vivants. Bon, non. Mais ça leur pique les fesses aux oursins. Très, très bon. Voilà. Alors, ici, on est dans les Buzards. Oui, vous avez vu là le panneau. Alors moi, chaque fois, je viens ici pour voir. Parce que normalement, les éleveurs doivent mettre des carcasses d'animaux qui ont été mourus comme ça. Et puis les busards, ils viennent. Il y avait un bon dessin animé avec Donald et puis Ben Buzard qui s'appelait le Buzard. Buzard, c'est ceux que vous voyez au début. Voilà. Alors Ben Buzard qui attaquait Donald, tout ça. Ça, c'est à l'époque où Walt Disney il est encore à la tête de sa compagnie. Puis vous mettez des trucs pas mal quand même, hein, parce qu'il y avait un dessin animé, vous voyez Donald qui fait une sortie astrale de son corps. Voilà, et puis il y a le bon Donald et le Donald pas bon, tout ça, hein, qui se bagarre, tout ça. Et puis après, bah, sa compagnie était vendue. Comme les trois quarts d'Hollywood aux forces de l'ombre, quoi. Voilà. Ce qui fait que vous avez toute la merdasse que vous avez aujourd'hui. Ah, et Ben Buzard, les Buzards, Ben Buzard. Alors, il y a grand chef des Buzards, qui s'appelle Ben Buzard. C'est bizarre. Ah non, c'est pas bizarre, c'est normal. Vous avez qu'à regarder ce qui se passe en ce moment, vous aurez compris que tout ça, c'est normal. C'est Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains, qui vous cause la vraie presse, n'est-ce pas? Comprenez-vous? Oui, voilà. Ben, c'est le chapeau de brousse australien. Bah ben oui, parce qu'on a la brousse là, et puis il fait pas chaud.
Ah ben, il doit faire plus en Australie. Vous avez vu un peu les Australiens? Tous des jeunes, des vénères, puis des uns qui vont bloquer les spaghetti junction d'autoroute là, à Melbourne, qui bloquent tout là. Voilà ce qu'il faut faire. Puis dans l'unité, hein, pas chacun dans son petit coin. Moi, je vais faire une manif dans des petits coins là, parce que moi, je voudrais bien prendre au présidentiel. Et puis moi, je fais là, moi, je suis pas d'accord avec celui-là, là-bas, alors moi, j'y fais là, moi, ma manifestation. Et puis moi, j'y fais là, puis moi, j'y fais là. Au moins, à Toulouse, il n'y a pas ça. C'est tout le monde ensemble. Seulement, à Toulouse, comme partout, ça pique. Ouais, ça pique. Mais oui, ça pique parce que même les vaches qui viennent en manif. Alors, du coup, vous avez les oursins, quoi. Alors, après, c'est fatigant, on est fatigué. Il faut éliminer les oursins. Ouais, avant qu'ils nous mangent. Voilà, on n'est plus en Australie, on n'est plus chez les Indiens, on est chez les Benbuzards. Les Benbuzards. Alors vous avez compris, non ou quoi? En quelle langue il faut vous dire en chinois? On sent qu'ils vont vous causer en chinois maintenant, il faut que tout le monde apprenne le chinois. Si la France c'est la Chine numéro 2, il faut apprendre le chinois. Ben voilà. Chinois. Donc le projet Benbuzard qui utilise le modèle chinois veut faire un modèle français, monsieur Benbuzard. Mais non, c'est pas le petit arbuste de rien du tout, c'est rien du tout lui, il commande rien du tout celui-là. Mais non, on parle de Benbuzard là, qui se prennent pour des grands Manitou, Benbuzard, tout ça. Donc vous avez compris quand même en quoi il faut vous le dire, à quel angle il faut le dire, que c'est l'extinction complète de la race humaine là. Voilà, puis c'est tout. On va pas expliquer parce que on est sur YouTube, à YouTube. YouTube, c'est votre tube. Ouais. YouTube, ça veut dire votre tube. C'est-à-dire votre tube, vous faites vos vidéos pour communiquer avec tout le monde, tout ça, c'est super bien gentil. Voilà. Ça a été soi-disant créé pour ça. Voilà. Mais quand même, on n'a pas le droit de dire tout ça sur YouTube. Alors, on l'expliquera une autre fois. Parce qu'il faut faire une explication très très solide. Il faut être dans un mood spécial pour la faire. Et puis alors, il faut parler en coyote, et yoka, tout ça. Oh là là. Bon, il faudra voir. On trouvera un coin quand il fera un peu meilleur. Que l'été indien peut-être va arriver. Voilà. En attendant, on va faire un petit Adamski. Voilà, allez hop. Ça, moi, ça passe crème sur YouTube qui a eu sa sortie d'écrou il y a quelques jours, là, il n'y a pas longtemps, de quelques jours. Et que voilà, et que faut qu'on fasse attention pendant un mois, parce que je crois que c'est le 21 octobre que se termine la validité du deuxième strike. Parce que sur YouTube, si vous dites des choses que vous n'avez pas le droit de dire, qui ne sont pas dans la pensée unique, n'est-ce pas, mondialiste, tout. Alors, vous avez un strike, paf, la chaîne est bloquée pendant une semaine, mettons, et puis après un deuxième strike, bloqué deux semaines, puis si vous recommencez encore un autre blocage, tout. Et puis après on vous dit, attention, parce que maintenant vous avez eu deux strikes, et le troisième strike, votre chaîne, elle est vaporisée par la technologie arconienne, zeptilienne. Oh, ça, c'est pas mal, tiens. Zeptilienne. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, ça. Zeptilienne. Ben oui, on utilise cette technologie zeptilienne qu'on utilise. Ah, donc, il faut faire gaffe entre maintenant et le 21 octobre, où la strike numéro 2 ou numéro 1, numéro 1, va être enlevé gentiment. Vous savez, comme les points dans le permis de conduire, là, hein, avec tous les radars, les embuscades, là, plaque, plaque, plaque. Après, on vous dit, bah, vous avez un point moins, deux points moins,
et votre point vous sera rendu dans tant de temps. C'est pareil avec YouTube. Hey, YouTube, on va faire des trucs où ça va pas t'embêter. On va parler des frères de l'espace, que vous savez même pas ce que c'est parce que vous êtes des cons comme la lune, mais c'est pas grave. À morder un peu là. Quand c'est un peu de propriété, ah, si ça en a quand même. Alors finalement, les oursins, ils sont comme ça là. Ça, je peux vous dire ça. Attendez. Ah ouh, c'est piquant, piquant. Ça se mange ça? Ah non, non, c'est pas fait pour être mangé ça. Les spikes sont faits pour vous manger. Tout cru. Oui. Les spikes, ils mangent tous vos organes les uns après les autres. Comprenez-vous? Vous ne comprenez pas, vous êtes con comme la lune, comme j'ai dit. Enfin, pas ceux qui regardent ça. Mais si jamais il y en a qui regardent et qui sont des moujons, ils comprennent. Cridale. Voilà. Alors après, ça vous mange tous vos organes. Quel que soit votre âge, hein, puisqu'il y en a qui ont des crises cardiaques à 15 ans, là maintenant, hein, après avoir accepté les oursins à l'intérieur dedans, là, voilà, comme ça. Et puis, alors, une fois que tous vos organes sont mangés, et ben vous. Ben, il mourut. Il mourut, et là, il mourut. Et hop, à la benne. Il n'y a plus que des bennes. C'est pas le sujet de la vidéo, Captain. Ah, laisse tomber les oursins, adjudant Gerbert, et qu'elle ira ramasser tes oursins tout seul. Hein. Lâche-nous les baskets de ce coup. Allez, enfin du Adamski. Voilà. Bougez pas. Allez, on continue avec les rapports de Georges Adamski avec ses visitations qu'il a eues des gens de l'espace et qu'il a été aussi visitationné les vaisseaux spatiaux d'autres planètes, etc. Tout ça, là, en voyant ce qu'il nous dit. J'ai déjà donné ça, mais comme on a eu la chaîne en prison, il se souvient plus peut-être, puis vous non plus. Alors ça fait pas de mal d'y redonner un petit coup. Voilà. On y remet une petite coucouche. Voilà. Alors je ce qu'il dit, comme j'ai mes entrevues étaient principalement avec des gens de Vénus. Le Vénus de cinquième dimension, qui n'est pas mesurable avec vos instruments de troisième dimension, bande de cornichons de la NASA et compagnie. Quelle société militaire d'ailleurs, qui était fondée pour ça. Pas du tout pour explorer l'espace. Attention, la strike! Ah oui, c'est vrai. Je ferai, dit Adamski, quelques comparaisons entre leurs relations humaines et leur comportement avec les nôtres. Et ils ont fait une étude détaillée de la nature et ont découvert le radiant 1, la source de vie, imprégnant les éléments matériels de la planète mère, de chaque planète, de l'omnivers, et fournissant la respiration cosmique à chaque forme pour qu'elle puisse croître et servir toutes les autres parties de la création. Ah ben mon vieux, on risque pas ici avec vos piquins. Adamski. Ils se sont rendus tellement sensibles qu'ils peuvent sentir la pulsation d'un brin de gazon, la respiration du roc, les minéraux. Pour eux, toutes les créatures humaines sont une manifestation de la respiration cosmique qui donne la vie et l'énergie à chaque forme individuelle. Comme ils ont étudié les arbres, les fleurs, les rocs, les oiseaux, y compris les bons vautours, les gentils vautours, les gypaètes qui ont la taille de la temple, là, quand ils volent. Il m'a passé une fois juste au-dessus de moi. Ouais. Pas eu le temps de le filmer, ben, il a été tellement rapide, le gaillard. Et qu'ils ont observé comment chacun d'eux remplissait le but pour lequel il avait été créé, ils ont conclu que la nature est la loi propre divine en action. Paf! Ainsi, la nature peut être appelée la mère de l'intelligence suprême. C'est pour ça que les Indiens, Amérindiens, disent que la création est féminine et qu'elle a été créée par Iktomi, Grandmother Spider. Voilà. Ah ben, il faut aller chez eux pour comprendre. Parce qu'ils parlent en code aussi. Ouais, voilà. Et c'est par cette mère
création féminine, que la nature, que la suprême intelligence s'exprime. Tout comme le corps de la mère fournit tous les besoins matériels nécessaires à la partie forme qui se développe, la mère nature fournit tout ce qui est nécessaire aux formes nées de son corps. Par ces observations, ils se sont plus rapprochés que nous, terriens. On va pas vous dire ce qu'on pense des terriens, hein. Tant vaut mieux. Hein. Mais oui. Même nous qui venons des étoiles et qui sommes incarnés ici, on a une certaine opinion des terriens. On va pas la répéter. Ils sont plus rapprochés que nous, terriens, de la connaissance de Ectomie et de l'intention de la mère divine. Voilà, voilà. Alors, j'ai déjà mentionné ça, je pense, c'est pour ça qu'on va passer ça, parce que j'ai déjà donné, vous voyez, les épisodes précédents, hein, sur les enfants, fournir encore avec une expérience sans fin, etc. Enfin, tous les enfants, hein, comment l'enfance, les parents sur Vénus, etc., les incarnations diverses, sur Vénus, mais qui peuvent avoir transité dans certaines planètes, transit de planètes sur lesquelles vous pouvez retrouver ceci dans mes thèmes galactiques que vous allez voir sur cette page et ce blog là. Ça, vous saurez sur quelle planète vous êtes passé, entre autres choses très importantes qui vous aident à réveiller votre moi galactique, moi multidimensionnel. Et réactiver de façon correcte votre ADN qui n'est pas transformé par ça, parce que nous, on est immunitaire, immunisé contre ça, pas au niveau maladie physique, hein. Pas au niveau de l'ADN. Hein. Voilà. Alors, il y avait toutes les explications, donc vous voyez un peu ce qui avait été dit dans l'épisode précédent sur les enfants. D'accord. Alors, maintenant, un chapitre qui s'appelle Honneur. Waouh! Vous avez compris que les Gilets jaunes et ceux qui se battent pour la liberté, la fraternité, l'amour, etc., disent toujours force et honneur. Très important, l'honneur. L'attitude des Vénusiens envers tout ce qu'ils font est différente de la nôtre. S'ils peignent un tableau ou font une statue, ils ont un grand respect pour chaque matériau qu'ils emploient. Sachant que c'est un objet vivant, ils imprègnent toute leur création d'une portion de leur propre force vitale. Les statues semblent vivantes et prêtes à parler. Leurs réactions ne sont jamais de satisfaction égoïste. La création, car ils sentent qu'ils ne sont qu'un instrument par lequel une belle création est devenue évidente. On parle de ceux qui ont créé quelque chose. Ils créent beaucoup. Y compris des vaisseaux spatiaux. Voilà. Je crois qu'il est facile pour nous de comprendre pourquoi les habitants de Vénus sont vivants comme ils le font, constamment conscients et en contact avec l'énergie cosmique, ne vieillissent pas. Voilà. Quel malheur, ma chère sœur, de manger de la soupe sans beurre. Ben oui, c'est comme disait ma grand-mère. Oui. Ne vieillissent pas et n'ont pas de corps ni d'esprit malade. Parce qu'il n'y a pas de Ben Buzard qui viennent chez eux. Ils ont trop peur de se faire botter les fesses. De toute façon, c'est interdit, c'est pas la même dimension. Il ne leur faut pas de médecin. Sur Vénus, il ne leur faut pas de médecin. La médecine officielle créée par M. David Rockefeller, il y a plus de 100 ans maintenant, qui était pour faire de la chimie à tout va, allopathie, il n'y en a pas besoin sur Vénus. Monsieur famille Rockefeller, sur Vénus, c'est au chômage directo. Ça va? Il faut bien faire des commentaires en même temps qu'on regarde Adamski. Il est d'accord, Adamski, il nous regarde de là. Chacun d'eux, des freins de l'espace, est familier avec la structure et le fonctionnement du corps. Si un accident devait se produire, qui aurait pour résultat une fracture d'os,
n'importe qui pourrait soigner la blessure. Ils considèrent le corps comme les vêtements faits de matériaux de la planète mère, où ils sont. Toutes les planètes sont des planètes mères. Ça va comme ça? Oui. Ectomie, ça va. Et prêter à l'expression de l'intelligence individualisée de chaque forme pour une durée de temps suffisamment longue pour pouvoir rendre certains services et acquérir des connaissances et de la sagesse par les contacts et les expériences qui l'aura. Le vêtement que nous nommons le corps peut être soigné, elle garde son utilité et sa beauté pendant longtemps, car il y a de grands avantages dans un bon vêtement. Quand un nouveau corps est formé, ce qu'ils sont capables de faire, parce que la réincarnation a été supprimée du vocabulaire de l'Académie galactique. Supprimer le vocabulaire. La structure cellulaire, les éléments chimiques qui entrent dans la forme ont eu des expériences propres. Et la mémoire en est gardée dans les atomes de chaque cellule. C'est pour ça que nous autres qui sommes des équipages en fonction sur la Terre, pour vous surveiller, vous autres qui font des choses d'une noirceur d'encre, n'est-ce pas? Et puis pour réveiller les gens. La mémoire est gardée dans les atomes de chaque cellule, y compris dans ce qu'on appelle le corps électrique, le corps causal. Il y a un roman de science-fiction qui s'appelle « Je chante le corps électrique ». Oui, mais il y a de très bonnes choses dans la science-fiction. Ça décrasse les neurones, la science-fiction. Oui. Et qui permet à l'habitant de la maison, cette maison, de participer aux expériences de sa structure. Voilà. Donc, comme dans le corps électrique, tout a été enregistré, quand on vient s'incarner ici, ici-bas, dans les bas-fonds de fosses septiques que les humains ont fabriquées sur une planète qui s'appelle Saras dans l'univers, ça veut dire la planète des chagrins. Ah ben, il y a des chagrins en ce moment. Ouh, et c'est pas fini. Oh non, c'est pas fini. Eh bien, ce corps électrique va rentrer dans un bébé et va le changer complètement en fonction de tout ce qui a été dit précédemment. Ça va, vous avez capiche là? Voilà. Voilà. On s'arrêtait là pour cet épisode? Ouais, c'est pas mal. Allez, hop, on fait des petits morceaux. C'est des petits épisodes là, comme l'interlude du titre 1 ou. Le marchand de sable, Nounours, Nicolas Prunel, ça fait des petites interludes dans votre vie très difficile ici-bas. Oh, ils le savent, hein, ils pleurent tous les larmes de leur corps aussi, les frères de l'espace. Oui, oui. Oui. Enfin, on va leur demander de passer à l'action quand même, parce que là, c'est plus supportable. Ah, on est bien d'accord. Ouais. Allez, on leur fait tous un sondage. Hein? Êtes-vous d'accord pour une intervention le plus rapide possible pour sauver les humains qui peuvent encore les sauver? Oui, non, etc. Sondage, on fera. Enfin, quand on aura un fonctionnement Internet rapide, on fera des choses, sondages en live et tout ça. Oui, ça va viendre, oui, oui. Mais il faut m'aider financièrement pour ça. Hein. Alors, moi, je redonne là mon compte PayPal et puis c'est écrit dans la description. Et si j'ai besoin d'aide financière... comme tous les autres lanceurs d'alerte, livrés, ceux qui restent encore à fonctionner et qui ont pas été bouffés par d'autres portions du système. Voilà. Allez, on arrête là pour le trip to Venus et les Space People, c'est-à-dire les frères et sœurs de l'espace. La suite au prochain numéro. Bon. Captain out.